Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin, nous prenons l'entrée dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Puis, gros tête fait mal les États-Unis qui sont là, mesdames et messieurs, c'est l'affaire de la Chine qui lançait un hypersonic missile dans l'espace et y a pas qu'on qui ça a pu faire avec elle. Si tellement bas au problème, eh bien, ils convoqué en pile général des États-Unis puis ils viennent expliquer. Qui ça qui comprend des âmes inconnues ça et qui ça est capable de faire pour défendre contre lui-même? En pile bagay te dit, nous pas l'expliquer. Nous avons Inde aussi qui décide hier soir pour lancer propre missile qui a une distance de 5000 km et aussi qui a une capacité qui va porter des âmes nucléaires. En pile complication pour le monde là. Nous pas le montrer qui ça ça veut dire. Taïwan lui confirmé que vraiment gagner l'armée américaine qui dans pays yo k'ap ide yo défendre contre la Chine. Et nous connaît que l'amitié brati brat là avec la Chine et la Russie crée un gros tête fait mal pour les États-Unis. Et si m'ta vle retourner back aux Indes, est-ce que Joe Biden pourra sanctionner pays indien parce qu'il a acheté S-400 missile système dans mais la Russie? Si c'était pour la première fois qu'on trouve, nous avons encouragé aux vignes membres. Très facile, il y a un petit bouton pour marquer subscribe, cliquer sur lui. À côté de la petite cloche, choisis la cloche là. Afin que chaque fois de monter, vous capable de connaître. Nous avons encouragé aux remèdes vidéo sale, très facile, il y a un petit bouton sur mon pouce, cliquez sur lui. Faites commentaire si vous êtes capable et puis partagez, channel ça avec amis ou famille, tout le monde qui vous connaît. On va commencer. Eh bien, aux États-Unis, mesdames et messieurs, la Chine frappée. Et il crée une situation qu'on y a là pour les États-Unis qui par contre qui savent faire. Hier n'était parlé de bagaille là et bien je dis encore c'est même bagaille là qu'a discuté ici aux États-Unis et il si tellement gain problème bagaille là si tellement dominé pays hein côté que il était réuni général yo pour te expliquer yo des âmes inconnues ça qui ça il veut dire et qui ça capable faire rapide pour créer une façon pour défendre tête yo contre Zamza. Et mesdames et messieurs, c'est pas non seulement besoin de défendre les États-Unis, mais et leurs amis US gagnent qui tout près la Chine que US promettent pour le bail de défense. Est-ce que li capable? Avec genre de développement ça, nous gagnons Taïwan, nous gagnons Hong Kong, nous gagnons Philippines, nous gagnons pile l'autre pays derrière là, nous gagnons Europe, nous gagnons Inde qu'on y a là qui de Gabzi dans une petite guerre avec la Chine, bagaille compliqué. Et il est tellement compliqué comme on dit nous, yo te convoqué général l'armée des États-Unis puis ta vienne paraître puis venir expliquer qui ça qui vous comprendre des armes connues ça et qui ça capable de faire pour défendre tête contre lui-même. Et bien dans conversation que général a tenu avec tout membre pays des États-Unis, inclus Joe Biden, général Mark Miley déclarait que, eh bien, développement ça, li son bagay très significant. Son technologie qui ou pas comprendre li déjà. Et, il fait comprendre que Zam ça, li prend attention. Ce qui est pas bon, c'est en bas là. Il dit que, very significant technology. Et, monsieur déclaré, bagay ça, li prend toute attention. Général Mark Miley te continue pour le dire. Nous pas connaît. We just don't know how we can defend against that technology. Nous just pas connaît. Allez que monsieur honnête, il déclare que nous pas connaît comment pour défendre tête nous contre technologie ça. Et là les pilotes dit que c'est pas non seulement eux même seul, même la Chine, même la Russie pas qu'on est qui j'en peux défendre tête lui. C'est ça que M. Robert Wood, qui était ambassadeur à lui-même, lui dit. Ça veut dire que la technologie qui est développée, Zam ça, malgré que la Chine mette-le dans l'espace, mais la Chine et la Russie et les États-Unis, pourquoi qu'on est qui j'en, ils ont défendre tête par eux contre Zam ça. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, ces situations ça qui est là dans le Konya là, yon zam ki kriye,
yo pas comprendre technologie alors la Chine qui te qui crée li gagnent technologie derrière li gagnent secret qui gens qui au fait mais pendant que n'a parlé là les États-Unis pas connaît qui gens capable défendre tête li contre lui-même la Russie pas connaît qui gens yo capable défendre tête tout et selon ça qui me comprend dit que peut-être même la Chine qui crée zam ça gagne doit pas encore gagner technologie pour capable empêcher l'entrée parce que vitesse là 5 fois vitesse de son. Ça veut dire que avant même qu'on dit ah, il est entré sous. Dans sens ça, ou pas capable de défendre contre lui-même. Et qu'on y a là, les États-Unis disposaient des billions de dollars à faire des consultations avec des scientifiques dans tout secteur. Pour être capable de jouer une façon pour défendre tête contre yon zam qui est yon zam inconnu. Qui n'est pas quelqu'un qui connaît avec un zam inconnu qui est capable de faire. Comme on fait connaître un zam ça lui-même, à personne qui missile ça, vitesse li est très rapide, li voyage autour du globe blanc avant que li retourne pour la target li. Et dans ce sens ça, li crée confusion pour tout système qui est capable d'empêcher l'entrée. Ça veut dire, pendant que les États-Unis a bataille, pour contrecarrer la puissance de la Chine, eh bien la Chine a entré dans l'espace contre les États-Unis. Que les États-Unis qu'on y a là, il y a un problème. Il y a pas qu'on est qui gens pour défendre tête contre lui-même. Et nous connaissons aussi l'amitié que la Chine a déclarée là ensemble avec la Russie, vient augmenter la puissance de la Russie et la Chine ensemble. Ça veut dire que l'homme des deux puissances a eu ensemble, nous pas croire que les États-Unis ont assez force pour ta combattre contre ces deux. Bagay ça, li vin créer une menace extraordinaire pour les États-Unis. Et qu'on y a là, en pile négociation à faire, en pile consultation, en pile travail à faire, les États-Unis a voyagé partout dans le monde pour capable ramasser tout petits hommes peut-être que le DGT avant. Yo, ça eux qu'ils ont un plan pour te mettre des sanctions sur eux-mêmes, eh bien les États-Unis n'ont pas un choix qu'on y a là, c'est décider pour réexaminer, intégrer et créer une coalition des forces qui est capable de combattre contre la Chine et la Russie, même côté. Mais comme on dit, nous, mesdames et messieurs, nous t'expliquons hier, l'amitié entre la Chine et la Russie par une amitié sincère. Parce que la Russie n'a pas fait la Chine confiance 100%. Mais quand même, qu'on y a là, la politique là, c'est que les deux capables unis pour contrecarrer la puissance des États-Unis qui est autour de l'Aïe. Lorsque nos deux ennemis disons l'autre, nous en mis, pour nous capables de contrecarrer, c'est ça qu'a fait là. Dans ce sens, ça, bagaille là lui-même, nous sommes capables de dire, comme nous disons en Haïti, bois maré. Non, si nous avons fait un coup de pied dans Taïwan, nous connaissons que Taïwan, c'est un autre pays que la Chine voulait prendre, parce que la Chine déclarait que c'est pour moins lié. Et Taïwan, qui a 23 millions de monde là-dedans, dit non, nous pas pour vous, nous sommes un pays indépendant, et nous voulons rester comme ça. Les États-Unis qui sont un pays démocratique et qui a supporté Taïwan qui est aussi un pays démocratique, eh bien les États-Unis font tout ça qu'ils sont capables d'aider. Nous te connaissons que selon rumeur qui est sortie, tu dit que tu as un soldat américain qui est allé dans Taïwan pour entraîner les soldats taïwanais. Eh bien, qu'est-ce qui vous dit? Je dis que c'est vrai, c'est la vérité, le président a déclaré c'est juste, il a gagné la caillou en pile soldat américain cap aidé ou entraîné pour capable combattre contre agression qui a soutenu dans la Chine. Mais le président a déclaré, il dit ça que le dit. Il dit que menace qui a soutenu dans la Chine, il a augmenté chaque jour. Et aussi, il a confirmé que y a un militaire des États-Unis qui a entraîné militaire la caillou dans l'île. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui déclaré, ça c'est un bagage confirmé. C'est vrai, l'armée des États-Unis est dans Taïwan qu'on y a là pour la bail soldats en pile instruction qui gens plus capable défendre tête yo contre les États-Unis. Songez avant hier m't'expliquer d'un côté que il t'a posé Joe Biden une question et demandé Joe Biden est-ce que il est tout prêt pour défendre Taïwan si que la Chine t'a attaqué. Il dit oui. En pile monde pensait son erreur qu'il était parce que les États-Unis pas de jamais puis ont dit avec bouche pa yo ki ou pas défendre Taïwan avec zam ou bien avec la guerre. Oui, yo gen yon contrat puis yo bail
Taïwan, des armes de défense, ressources, l'argent, et même, peut-être, bah, ou gros âme. Mais, pour dire directement que nous prenons la bataille avec la Chine pour Taïwan, ça, c'est pas un bagage qui est déjà déclaré. Mais lorsque Joe Biden te dit ça dans CNN, bagage ça a créé un gros problème partout dans le monde, et la Chine te déclaré, frère moi, slow down, pas courir déclarer parole qu'on pas quoi, qu'on capable faire. Parce que, contrat que nous t'ai ensemble, c'est pas un mot qui t'a deux jambes sur dans bouche. Nous connaissons une relation avec Taïwan, c'est vrai. Mais pour déclarer qu'on pourra attaquer nous, pour défendre Taïwan, eh bien, nous t'aurons mis qu'on t'a réexaminé la conversation, ça y est. Parce que ça n'a pas de sens du tout. Parce que c'est ça que la Chine lui-même lui déclaré, qu'elle dit. Mais il y a une autre complication qui vient lever là encore. C'est pays Inde. Nous connaissons que l'Inde, avec la Chine, est en guerre. Il y a une bataille pour un border, pour un terre qui est une des pour les liens, l'autre pour les liens, bon, il y a une bataille. Parfois, l'un tue l'autre. Mais c'est un bagage vraiment qui crée un gros problème pour ces deux pays. C'est l'ennemi qui est. Mais l'Inde, c'est ses amis, les États-Unis. Et bien, ça qui passe hier soir là, pays Inde lancé propre missile PAL qui a une capacité nucléaire. Ça veut dire qu'il y a un missile qui est capable de porter des armes nucléaires. Zamsa a voyagé à 5000 km. 5000 km. L'or convertil, mon qui connaît a fait miles, c'est 3125 miles de distance que lui-même a voyagé. Bien loin. Elle dit que Zamsa est capable d'entrer dans quel pays? La Chine. Maintenant, est-ce que les États-Unis fâchés pour ça? Non, pas quoi ça. Parce que les États-Unis, c'est sans amis. Pays, Inde que lié. Et Inde dit que, à cause de toute agression qu'il y a eu à sauter la caille de la Chine, il n'y a pas qu'à prendre chance. Il faut créer aussi des armes qui pour protéger tête pâle et territoire. Et ça fait que lui tester les armes ça. Now, mais qui s'est nous songeons que, pas trop longtemps de cela, en 2018, si je ne pas oublier, Inde a signé un contrat pour acheter une série des armes de défense qui relaient S-400 dans la Russie. Nous connaissons que les États-Unis paraient mes amis à l'acheter genre de technologie dans l'autre pays, surtout la Russie. Et c'est ainsi, les États-Unis étaient tout prêts pour mettre des sanctions sur Inde pour le capable de refuser acheter des armes sa yon en main pays russe. Mais cependant, eh bien, pendant que bagarre a fait, excusez-moi, eh bien, nous voyons que les sénateurs des États-Unis yon mandé pour que Biden pata mette sanctions sous Inde à cause de bagay sa. Pour qui ça le patable fait? Parce qu'il dit comme ça que, qu'on y a la situation qui a développé qu'on y a la. Côté que nous avons la Chine qui est très agressive, qui voulait attaquer pays Inde, avec un peu l'autre côté. Nous avons aussi les États-Unis qu'on y a la tout, qui gagnent pour le ramasser toutes les amis qui sont capables de gagner parce qu'il patable, il nous crée des complications pour pays des États-Unis. Dans ce sens, ça, malgré que l'Inde a acheté, ça a aussi S-400, les armes de défense, missiles qui ont été, c'est au même que les États-Unis ne veulent pas acheter dans la Chine, dans la Russie, excusez-moi. Mais quand même, les États-Unis n'ont pas le choix qu'on y a là. Je ne crois pas qu'il y ait des sanctions sous pays Inde à cause de ces armes. Parce que, en pile sénateur des États-Unis, qui ça qui a dit? Yo dit que sénateur by Joe Biden conseil, yo dit Joe Biden yo pa ta remen que la mette sanction sous Inde à cause de S-400 sa yo. Nous songez comme on était dit en 2018, yo t'achete zam sa yo pour 5.5 millions de dollars nan men la Russie. Donc kapabwe, tout bagay changé à cause du travail que la Russie amène que la Chine l'a fait. Malgré que les États-Unis pas vle pour Inde t'a acheté zam sa yo nan main la Russie parce que les États-Unis pas vle que pendant qu'il a utilisé technologie la caille les États-Unis et aussi il a utilisé technologie la caille la Russie pour avoir un conflit mais qu'on y a là
à cause des changements qui gagnent dans la dynamique pouvoir mondial, côté que la Chine est lancé une arme que les États-Unis pas comme ça que lié, la Chine a accaparé des amis tant que la Russie et l'autre pays pour l'entrer en bas avant lui. Les États-Unis ouais aussi il gagne intérêt pour aussi accumuler en pile d'autres amis pour pas essayer faire aussi de bagarre pour faire monde ça fâché. Et c'est ça qui fait qu'on y a là, ils ont décidé, ils ont pas mettre sanctions sur Inde à cause de deal ça qu'elle fait avec la Russie. Mesdames et messieurs, le monde est bouleversé. Bah, yo tête en bas. Nous pas connaît qui ça quoi le fait. Mais bon, dou sincèrement, les États-Unis ont un problème. Bagay yo pas facile. Nous pas boire de Haïti, de la Chine, Japon, Iran, tout côté, les États-Unis ont plus de problème. Et s'il pas gérer bagay ça très bien, c'est facile. En plus de complications. Non, moi, c'est Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu bénis nous. Bye bye.